Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et oui, nous voilà entrés dans l'ombre d'Halloween pour notre semaine, compte à rebours, bien entendu, de ce petit moment magique entre sorcières, citrouilles et potions magiques. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez bien, les amis. On va se retrouver pour le tirage du jour de notre lundi 23 octobre 2023. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, le 23, 3 et 2, 5. Le 5, c'est la libération, c'est les soulagements, c'est on peut souffler. Et ça fait du bien. On va poser, ça peut être la fin des tracas, des soucis. On va pouvoir s'occuper de soi. Il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une procédure, voire même la santé. Bien sûr, côté professionnel, c'est aussi peut-être le bon moment d'une reconversion, de changer de cap, de faire une formation. Et côté sentimental, on est sur la bouffée d'oxygène, là. Le vent de la légèreté. Alors évidemment, il n'est pas forcément question d'une histoire à long terme, hein. On est plus dans la frivolité, là. Alors, le 5, avec ses côtés positifs, nous sommes pleins de ressources. Le sens de l'humour est mis à l'honneur. On est tolérant. Plein de vitalité aussi. Et on est désireux d'apprendre. Par contre, côté négatif, il est vrai qu'on a un mauvais caractère. On n'est jamais content. On peut être agité. Et puis prendre des décisions sans trop réfléchir aux conséquences. Alors, notre lundi associé à la lune. La lune, la création, la féminité, le partage, la méditation également. Et les couleurs associées à notre lundi. Le blanc et le jaune pâle, les amis. On va tout de suite regarder, et ce sera comme ça pour toute la semaine, un message avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va regarder un petit peu quelle carte, quel message, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces sorcières, pour notre lundi 23 octobre. Allez, c'est parti. Les amis. Allez, voyons voir un petit peu. Et nous avons baguette magique. La baguette magique. Vous avez certainement des intentions, il semblerait. C'est ce que nous dit cette carte. Et regardez cette belle ba baguette-là que l'on va faire tournoyer dans les airs. Alors, la baguette, déjà nous allons lire le message de la sagesse des sorcières. Tu es en train de faire des choses trop difficiles. Au lieu de regarder ce que font les autres, affine tes propres talents. Cela ne sert à rien de te comparer aux autres et de t'inquiéter de ne pas être aussi bon qu'eux. Le chemin que tu suis te concerne toi et toi seul. Ce sont les intentions de ton cœur et de ton esprit qui te montrent la voie. Brandis ta baguette et permets à la magie de démasquer la critique intérieure qui obscurcit tes sens. Laisse-la t'envahir et vois les choses à travers le regard d'une gardienne de sagesse. C'est un beau message, hein? Et quelle est cette prédiction des sorcières? Décide de ce que tu veux vraiment. Fais que tes intentions soient claires. Concentre-toi sur tes visions. Pratique la concentration. Prends une décision et concentre-toi sur le résultat que tu désires. Fabrique ta propre baguette magique et recours à des intentions qui ne nuisent personne. Et méfie-toi aussi des intentions des autres. Et vous l'avez compris, les amis, en avant, c'est la marche. Et surtout, on se fait confiance à soi et soi seul. Eh bien, ce sont des messages plutôt sympathiques et forts que nous donne cet oracle. Eh bien, c'est parti, nous allons regarder un petit peu la journée pour le lundi 23 octobre. Et à la coupe, nous avons Notre-Dame de Pique. Alors, un face-à-face pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine ou sûr pour une personne âgée ou concernant une personne âgée. Bon, c'est que du bonheur, visiblement c'est dans les projets. Ah, attention! Il semblerait qu'il va y avoir un face-à-face qui pour
vous tient à cœur puisque ça concerne vos projets, mais, ou c'est pour vous, ou en lien avec une personne âgée autour de vous, il y a une colère. Nous sommes dans la colère. Colère à cause d'un non officiel, ça peut être dans des démarches de papier, de banque, de contrat d'association, peut-être même de médecin. Vous voyez un petit peu, mettez-le à votre situation. Bon, il va être temps peut-être d'écouter la sagesse des sorcières. Allez, c'est parti pour nos 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous avons au dos le contrat, la signature, l'engagement qui est là. Il est bien question de signer quelque chose avec un homme ou en lien en tout cas avec cet homme. Et ça peut être un membre de la famille éloignée d'ailleurs. Maintenant, on voit qu'il peut être question aussi d'une situation familiale du lointain. Ça peut concerner votre maman si tel est le cas. Ou c'est tout simplement d'avoir des nouvelles également pour vous si vous êtes veuve célibataire. Plus de la cinquantaine. On voit qu'il est question quand même de famille, de maison, de foyer, mais éloigné, pas forcément pour vous. Nous retrouvons bien cette colère qui est pour vous, ou en lien en tout cas avec une personne âgée, ça peut être aussi une colère avec votre maman hein, qui habite au lointain, qui est d'une autre ville, d'une autre région, d'un autre département. Vous pouvez être en pétard vous-même aussi, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, sur une situation qui est liée évidemment au lointain. Nous avons ici le mental, l'état d'esprit, hein, ça cogite le mental. Hein. Nous avons certainement aussi des mails, un recommandé. En lien avec votre chéri, votre homme de cœur, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, ça peut même être votre papa. Si bien entendu vous avez le bonheur de l'avoir encore, et si vous êtes concerné par une situation familiale. On voit très bien ici un entretien, un rendez-vous. Il peut y avoir de l'inattendu aussi. Avec cet homme. On voit très bien, là encore une fois, une instabilité qui se fait, une certaine tristesse, où on a quelque chose qui ne va pas bien. On est peut-être aussi inquiet pour cet homme ou avec ce rendez-vous. Ce face-à-face fait peur, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes un petit peu déstabilisé pour ce face-à-face. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une femme pas sympathique. Alors, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être une ex qui rôde, belle-mère, belle-fille, dans les familles reconstituées, recomposées. Ça peut être, dans une situation qui vous tient à cœur, une personne vénale autour de vous qui peut vous poser un problème ou vous freiner. C'est dans les finances, on peut penser à une banquière, on peut penser à une personne qui est là au niveau de l'argent, une situation qui est très contrariante en tout cas. Et c'est dans vos projets. Hein. On voit que vos projets sont un petit peu contrariés, peut-être dus aux finances. Une mise en place de quelque chose qui est compliqué ou qui est plus long que prévu. Nous avons ici votre fille, votre sœur, votre meilleure amie ou vous si vous avez les cheveux clairs. Mais vous êtes collé à cette femme. Hein. On a l'impression que vous avez quelqu'un de pas sympathique autour de vous. Hein. Bon, vous allez avoir le dessus les amis. Aucun problème, j'ai envie de dire. Nos problèmes, la réussite vous attend. Réussite avec un homme officiel, ça peut être au niveau de la banque, au niveau d'une aide, au niveau d'une association, au niveau médical également. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui se concrétise. Alors, on voit bien le changement là. Là, on a un changement, déménagement pour ceux qui sont concernés avec une femme qui était là autour pour vous poser un problème. Ou c'était la situation qui vous posait un souci. On voit très bien le changement qui est là. Il y a vraiment des gens mal intentionnés autour de vous. Prudence quand même, les amis. Concernant vos finances, concernant le domaine, mettez-le à votre situation parce que je n'ai pas le travail, donc je ne peux pas dire que c'est professionnel. Je n'ai pas l'as de cœur qui dise que c'est la maison. Par contre, on avait bien une situation tout à l'heure d'as de cœur, effectivement, qui était retournée. Voilà. On avait bien l'as de cœur, donc une situation quand même familiale, héritage ou autre, ou mise en place de quelque chose de la famille qui est au lointain. Il y avait des courriers, il y avait la signature qui était là, on voyait bien que ça bougeait, vous avez des nouvelles que vous avez, peut-être des écrits aussi, hein, un contrat, une mise en place de quelque chose. Hein. On voit très bien que le mental est cogité, en tout cas par rapport à un homme officiel, ou en lien avec un homme officiel. Vos projets sont là, il va y avoir un face-à-face. Ça peut concerner votre papa, mais tout simplement, avec votre homme de cœur, vous faites des démarches également, hein. Des changements. On voit très bien que ça peut être le couple, hein, là. Mais attention, vous êtes un peu freiné dans vos démarches. Hein. Il y a de l'inattendu avec des gens pas sympathiques. Mais vous allez de toute façon avoir le dessus, les amis. Et ça peut concerner le finance. Vous savez, la finance. Ça peut concerner une démarche que l'on fait. On vous disait que
Par exemple, on vous explique que ça coûte tant. Vous apercevez après avoir signé que ça vous coûte ça. Vous voyez, c'est aussi ce type de d'arnaque, entre guillemets. Allez, j'en mets une sur la dame de pique, la dame de cœur. Alors, les 7, j'en ai un seul. Les 8, un seul. Les 9, non. Par contre, il me semble avoir vu 4 10. 1, 2, 3, 4. 4 10, on est sur les grands changements. Certainement, quelque chose se dessine. D'où cette baguette magique. Hein. Quelque chose se dessine, quelque chose se met en place. Vous êtes en train d'attendre, vous avez peut-être fait des démarches. On voit très bien ces officialisations de démarches. On voit quand même que c'est compliqué. Hein. Il va falloir vous battre. D'où cette baguette, l'attraper. Vous avez les outils en main. C'est bien ce que vous disait l'oracle de la sagesse des sorcières. Mais il va falloir jouer du coude, hein, les amis. Valet. Roi. Il y en a deux. Dame, il y en a deux. As, il y en a deux. Alors, la dame de carreau. Eh oui. Avec elle, quelque chose va s'arrêter net. Mais pour ouvrir une nouvelle porte. Voyez ? La nouvelle porte, elle est là. Quelque chose va s'arrêter net. Peut-être qu'il va y avoir aussi une certaine tristesse autour d'une situation, hein, bien entendu. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Hein, mais on voit qu'avec le 7 de cœur, vous redémarrez une nouvelle situation. Quelque chose redémarre. Alors, nous avons ici une certaine stabilité doublée, franchement, d'une certaine tristesse. Peut-être des nouvelles qui arrivent aussi, qui vont vous déstabiliser, qui peuvent concerner effectivement une situation officielle sur les finances. Alors, après, peut-être un prêt qui est accordé, mais pas comme vous le vouliez, avec pas la somme que vous souhaitiez. Vous voyez, quelque chose qui peut vous déstabiliser dans un premier temps, mais ensuite, on voit très bien que dans vos projets, vous avez la réussite, les amis. Donc, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Nous avons un face-à-face avec quelqu'un de pas sympathique. Donc, à mon avis, vous savez qui c'est. Hein. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Mais attention, la situation n'est pas saine. Hein. Nous avons ici votre chéri, votre homme de cœur. Un bel imprévu, quelque chose d'inattendu. Peut-être un rendez-vous galant également. Mais nous avons aussi quelque chose d'inattendu qui peut concerner votre papa. Nous avons ce changement qui est là, mais bloqué avec une femme vraiment néfaste, négative. Nous avons ce changement qui n'est peut-être pas forcément des plus agréables ou qui ne va pas aller dans le sens où vous voulez. Mais en tout cas, on voit qu'une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. C'est une grosse transformation. Hein. Maintenant, on voit aussi qu'il y a quelque chose que cette femme elle a dû bloquer ou coincer. Et c'est en rapport avec vous, si vous êtes avec les cheveux clairs, ma consultante. Mais ça peut être en rapport avec votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie. En tout cas, quelqu'un d'amical. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'amical qui va vous aider à débloquer cette situation. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Lundi 23 octobre 2023. Lundi 23 octobre 2023. Bon, on retrouve cette jalousie avec l'oracle des miroirs. Vous en êtes protégés, les amis. Eh, grand coup de chance, regardez ça. La jalousie vous a un petit peu travaillé, vous a un petit peu miné, c'est normal, ça fait mal. Ça peut être dans la famille, hein, ou en lien en tout cas avec certains membres de la famille. Peut-être famille éloignée, on a pu voir tout à l'heure. Bon, vous vous protégez et vous avez raison et vous avez accepté. Vous savez prendre et recevoir cet inattendu, ce grand coup de chance. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons, alors, le retard, on a pu voir qu'il y avait une situation de retard, qu'il y avait une situation certainement, peut-être même de blocage à cause d'une, voyez, d'une femme vénale qu'on peut retrouver ici. Hein. Mais ça peut être dans la famille, hein. Faites attention quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Au niveau familial, bon, vous avez le dessus, les amis. Vous avez le dessus. Alors, en dominant, nous avons... Vous allez prendre de la hauteur. Vous souhaitez peut-être partir. Vous éloigner d'une certaine situation. En tout cas, ça va être acté. Hein. C'est tout à fait officiel. Ça va se faire.
Et vous allez retrouver une sacrée calme, une sacrée paix, une sacrée tranquillité, les amis. Des nouvelles vont arriver. Il va y avoir des nouvelles qui vont peut-être être sympathiques, hein, d'ailleurs. Les nouvelles arrivent d'un organisme, d'un environnement. Ça peut être des nouvelles qui vont vous permettre de démarrer quelque chose de joli. Il peut y avoir pour certains aussi de bonnes nouvelles concernant une situation qui touche un enfant, un ado. Il y a un grand oui, vous voyez, je venais de vous le dire. Eh bien, il y a de la signature dans l'air, les amis, la signature de contrat, quelque chose que vous, enfin, qui vous est accepté, qui vous est accordé, ou peut-être c'est en rapport aussi avec un enfant. Vous allez pouvoir vous projeter, parce que ça cogitait quand même, hein. Regardez ça, vos dons et la baguette que vous vous êtes construite, que vous allez vous construire, imaginairement, bien entendu, eh bien, elle est là. Vous allez pouvoir utiliser vos capacités, votre petite voix intérieure, en toute amitié. Hein. Peut-être allez-vous avoir un coup de pouce des amis. Vous voyez clair aussi dans le jeu de certaines connaissances autour de vous dont vous allez vous séparer. En tout cas, vos rêves sont là. Hein. Vous avez de beaux rêves. Attention toutefois à ce serpent qui est là et qui peut éventuellement poser un petit problème. D'où ce côté séparation d'avec une situation ou des gens qui sont néfastes et qui ne souhaitent pas forcément votre bonheur. On voit que vous prenez beaucoup de hauteur, en tout cas par rapport à une certaine situation, voire même certaines connaissances. Vous actez quelque chose de très officiel grâce à un organisme. C'est vraiment très officiel, hein. On se sépare d'une situation et qui fait qu'on grandit, on démarre quelque chose de nouveau qui permet de retrouver une belle tranquillité. On a ses rêves là. On a ses rêves et on va peut-être même les mettre en avant, ces rêves. On a peut-être des rêves aussi de passion, vous savez, de passion, d'intuition, de médiumnité pour certains, pourquoi pas. En tout cas, c'est un grand oui par rapport à, si vous avez demandé une formation, par exemple, un coup de pouce, un coup de main, eh bien, c'est un grand oui dont vous allez avoir des nouvelles. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique, les amis. Allez, on va prendre Monsieur Béline, en espérant que Monsieur Béline soit aussi gentil. Allez, lundi 23 octobre 2023. 23-23, les amis. 23 octobre 2023. Regardez un petit peu ce que le nombre 23 veut signifier. 23-23 octobre 2023. Nous avons, on retrouve bien, on cancane sur votre dos. Hein. Bon, alors, vous avez... A priori, ça ne va pas vous toucher. Vous avez bien raison. Peut-être aussi critique-t-on si vous démarrez une nouvelle histoire, que ce soit sentimentale ou un projet qui vous tient à cœur. Ça cancane sur votre dos. Bon, vous vous en moquez, regardez, tout ça, ça va partir. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Et vous allez pouvoir vous éloigner de tout ce qui est les cancans. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Hein. On s'éloigne de tout ce qui est négatif et vous avez raison. On se recentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, au dos, nous avons l'invitation. On va fêter quelque chose, les amis, hein. En toute sincérité, peut-être allons-nous fêter quelque chose avec une personne d'ailleurs que l'on apprécie. En tout cas, quelqu'un pense à vous, il a envie de vous inviter. On voit très bien qu'il y a des cancans et vous séparez des cancans. Hein. Pour certains, on peut voir qu'effectivement, c'est dans le domaine professionnel. Hein. Il y a des cancans pour lesquels vous vous éloignez. On s'éloigne de ces cancans-là. Et regardez la clé. Les solutions qui s'offrent à vous, qui vont arriver à vous, les amis. Alors, nous avons un homme ici. C'est peut-être un homme autour de vous ou vous, mon consultant. Vous avez avoir un éclaircissement par rapport à beaucoup de choses. Hein. Là, la lumière va se faire. Hein. Vous avez aussi peut-être l'intelligence entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot, mais vous avez certainement le bon comportement à adopter, que vous allez adopter face à cette trahison. Peut-être même allez-vous découvrir que vous avez de la trahison. Pour certains, il peut y avoir un homme autour de vous qui vous trahit. Allez, on va se reposer. On a besoin de calme, de repos. Peut-être aussi avez-vous eu un souci de santé. Des nouvelles vont arriver à ce propos et on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. S'il y a eu problème, s'il y a eu souci,
On voit là qu'on est dans un nouveau départ, les amis. On vous a arnaqué. Je pense qu'il y a une histoire de situation arnaqueuse. De toute façon, on a très bien vu une situation officielle avec tout à l'heure les jeux. Donc, on voit très bien que là, il y a eu une arnaque. Hein. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va plus vous toucher, les amis. Vous allez prendre beaucoup de hauteur. Hein. Regardez pourquoi ça ne vous touche plus. Vous avez la super protection. Magnifique carte. J'adore quand je la vois. Et la main tendue, le bonheur en fait, hein, la sérénité, le calme qui revient. On vous dit d'avancer. Vous voyez ce petit bonhomme qui vous fait avance, allez, souffle. Te laisse pas abattre. On avance sur ce qui a pu s'écrouler, sur ce qui a pu se mettre bas. Je pense que ou vous avez un homme qui vous a trahi, qui vous a posé problème, ou bien c'est vous qui rencontrez un problème en consultant. Mais de toute façon, tout ce qui est négatif, forcément, est atténué avec la grâce. Hein. Mais on voit bien qu'il y a une situation où vous allez avoir un éclaircissement, d'ailleurs. Hein. Bon, on a beaucoup d'amour. Est-ce que pour certains, au niveau passion, au niveau sentimental, vous avez peut-être été trahi? Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein, et qui prend un peu de retard. Une situation que l'on attendait peut-être qui se règle et qui a pris plus de retard qu'autre chose. Pour certains, si c'est dans le domaine professionnel, on attendait peut-être d'être mis en reconnaissance d'arrêt professionnel, vous voyez, ou de maladie professionnelle. On voit très bien qu'il y a eu de l'arnaque, là. Il y a eu quelque chose, mais vous êtes de toute façon protégé maintenant. Hein. Vous avez la carte la plus forte. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose, car vous avez pris connaissance de quelque chose qui, certes, a mis du temps à arriver. C'est pour ça qu'on vous dit, allez, avance. Niveau passion, beauté, le sentiment, l'émotionnel, je dirais, si c'est pas sentimental, revient, il est là. À un moment donné, il a peut-être été mis à mal, il n'y avait plus rien, mais les choses reviennent tout doucement. Alors, je vais mettre ce trio-là, accident, trahison et vol. On vous a arnaqué, ça c'est une grande évidence. C'est peut-être dû à un héritage, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être familial. On va voir si on en apprend plus. Alors, bon, vous prenez beaucoup de hauteur. De toute façon, on voit très bien que c'est terminé. Hein. Effectivement, il y a eu un souci, certainement peut-être familial pour certains. Les changements. Alors, voyez, regardez ça, c'est pas beau. Waouh ! Alors là, hey. La grâce, la carte bleue. Depuis le début des tirages, pour notre lundi, on voit que vous arrivez presque à la fin de quelque chose, une situation qui a été conflictuelle, difficile. Pas facile à vivre, que ce soit professionnel, familial ou sentimental. On a été très bas, on a été vraiment, on a été arnaqué, on a été très très bas. Peut-être qu'il a fallu aussi se reposer, peut-être qu'y a-t-il eu un souci de santé aussi qui nous a mis à mal. Ce changement, il arrive les amis. Non seulement il arrive, mais en plus, vous avez doublement ces protections qui sont là. Très beau tirage, très beau tirage. Eh bien, on va terminer avec une petite carte chacun, si vous le voulez bien. Et on va prendre le petit oracle de la forêt. Allez, hop. Pour nos Capricornes, dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour. Tout comme le soleil danse avec la nuit, avec la lune, chaque nuit. C'est tellement vrai. Lion, clairière, faites de la place pour grandir. Cancer, moment idyllique, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Scorpion, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. C'est vrai. Poisson, force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Taureau, espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Vierge, surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Balance, voyage,
Reliez-vous à de nouveaux mondes. Gémeaux, transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Verseau, adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Bélier, opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Sagittaire, origine. Souvenez-vous de vos racines. Et voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 23 octobre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour tous les amis. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée.